Ellie, Ellie, bouge! Elle ne respire plus. J'ai dit les mains en l'air! Bienvenue chez les Lucioles. Désolée pour eux. Ils te connaissaient pas. Et Ellie? Elle va bien. Ils l'ont réanimée. Vous avez fait tout chemin. Comment vous avez fait? C'est grâce à elle. Elle s'est battue pour arriver ici. Peut-être que c'était écrit. J'ai perdu presque tous mes hommes en venant ici. J'ai pratiquement tout perdu. Et voilà que vous débarquez et qu'on vous trouve juste à temps pour la sauver. Peut-être que c'était écrit. Je veux la voir. Tu n'as plus à t'inquiéter pour elle. On va s'occuper... Je m'inquiète. Allez, laisse-moi la voir, s'il te plaît. Tu ne peux pas. On la prépare pour l'opération. Quoi? Quelle opération? Les médecins m'ont dit que le cordyceps, le parasite en elle, a apparemment muté. Elle est donc immunisée. Quand ils l'auront enlevée, alors ils pourront développer un vaccin. Un vaccin. Mais il pousse dans son cerveau. Je sais. Trouvez quelqu'un d'autre. Il n'y a personne d'autre. Écoute, tu vas me conduire. Arrête. Je comprends. Mais quoi que tu penses traverser en ce moment, ce n'est rien comparé à ce que j'ai vécu. Je la connais depuis qu'elle est née. J'ai promis à sa mère de veiller sur elle. Alors pourquoi tu les laisses faire ça? Parce qu'il ne s'agit pas de moi, ni d'elle. Il n'y a pas d'autre solution. Tu continues à croire à ces conneries. Escorte-le dehors. S'il tente quoi que ce soit, tue-le. Ne gaspille pas cette chance, Joël. Debout.
J'ai dit debout. Allez. Avance. Avance, j'ai dit. T'as intérêt à m'obéir. De quel côté ? Qu'est-ce que tu fous ? Avance. J'ai dit avance ! Où est la salle d'opération ? J'ai pas le temps de jouer à ça. Où elle est ? Où ? Tout au fond. Merde. Le passeur, il est là ! Oui, chef. On fouille l'étage. Il faut trouver ce passeur et le tuer.